Hey, Matelot, ici Defra pour aujourd'hui un tutoriel d'une énorme villa de luxe moderne sur Minecraft. Et comme d'habitude, tu le sais, je vais donner deux maisons aux abonnés qui ont mis des commentaires dans les dernières vidéos. Voilà, c'est parti. Première maison que je vais donner, en fait, je vais les donner à un petit couple, oui, carrément, parce qu'il y en a un dans les commentaires qui m'a dit il faudrait que tu donnes une maison à machin et machin, et machin et machin, c'est qui? C'est Luzrock et Xerox, pardon. Donc voilà, je trouvais ça rigolo de donner une maison à deux personnes, surtout quand celui-là l'a demandé. Ça fait un petit couple, tu vois, donc ça fait rigolo, moi j'aime bien. Voilà, GG, parce que moi c'est une maison que j'aime bien celle-là. Et donc, deuxième maison que je vais donner aujourd'hui, ça va pas être n'importe laquelle, attention, ça va être BAME! Oui, la grosse villa de ouf, oui, ça va être, attention, donnée à. Attention, Monsieur Zombie, donc GG à vous trois du coup pour avoir gagné les villas, ces grandes villas sur la ville. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi pour pouvoir vous-même pouvoir potentiellement gagner les maisons que je fais du coup en tutoriel. Donc je rappelle encore une fois, ça sert à rien de se fâcher dans les commentaires si jamais votre pseudo n'est pas pris. Voilà, je peux pas prendre tout le monde. Bien évidemment, vous êtes des centaines à mettre des commentaires. Donc voilà, si j'en prends que deux à chaque fois. Bah voilà, ça va prendre au rythme de deux. On va donc faire cette ville-là aujourd'hui. La première étape du coup pour réaliser cette maison-là, ça va être de créer une plateforme qui va être le premier étage en fait, et le plafond du rez-de-chaussée. Et du coup, pour pouvoir réaliser cette plateforme-là, eh bien du coup, il va falloir déjà poser ce premier cube-là, et à partir de ce cube-là, je vais vous dire les dimensions qu'il faut pour réaliser tout le reste. Donc déjà, il faut le mettre à... Alors si j'arrive à cliquer... Ah, donc 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur, ok. Je précisais aussi, parce qu'il y en a qui m'ont demandé dans les dernières vidéos, le plot en lui-même, ok, il fait la taille de 80 mètres, 80 blocs de long sur 50 blocs de profondeur, de large. Voilà. Donc la maison en elle-même, du coup, à partir de ce point-là, on va aller à partir de ce point-là de 12 blocs dans ce sens-là. Donc entre ce bloc-là et ce bloc-là, c'est 12 blocs. Puis après, on en a 5, 3, 2, 2, 1, 2, 3 en diagonale, 2, 2, 2, 3, 5. Ici, la grande barre, c'est 15. Et la même chose de l'autre côté, du coup, hein, 5, 3, 2, 2, 2, 3 en diagonale, 2, 2, 3. 5, et ici on en a 12 sur la longueur. Ok, de ici jusque là-bas on en a 12 également. Donc à ce niveau-là on en a 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3 en diagonale, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3 en diagonale, 2, 3, 4, 5 et 12 sur l'arête à ce niveau-là. Et donc voilà, vous avez toute la plateforme à ce niveau-là pour pouvoir mettre le premier étage tout simplement. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le remplir de quartz entièrement. Voilà ce que ça donne du coup. Alors maintenant, on va mettre tout de suite la plateforme pour le deuxième étage qui va donc on va compter à partir de ce bloc-là, ok. On va venir compter ici à donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blocs, ok. À partir de ce bloc-là, du coup, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 blocs en hauteur. On enlève les blocs en dessous. Et à partir de là, du coup, on va refaire la même plateforme qu'en dessous, à la différence que cette plateforme ici va s'arrêter dans ce sens-là. Donc on va mettre des blocs ici à 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, ok. On va mettre des blocs, ouais, bon, ici comme ça. Et à part cette limite-là, ok, tout le reste de la plateforme va être la même chose qu'en dessous. Donc on va refaire cette chose-là, du coup, de l'autre côté de la maison. Donc voilà, ici du coup 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Hop, donc à 1, 2, 3, 4, 5 blocs de hauteur. On va par derrière, on met 1, 2, 3 blocs. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Ouais, 5 ici du coup. Et du coup, comme ça, on a nos limites pour notre plateforme. Alors du coup, l'idée, c'est qu'on va refaire la même chose qu'en dessous. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a deux blocs en dessous. Ben, on en met deux ici. Hop, là, il y en a un, on en met un. Hop, hop, et ainsi de suite. Et on fait la même plateforme qu'en dessous, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je la délimite rapidement. Donc, voilà à quoi ça ressemble hein, lorsqu'on délimite la plateforme, hein, tout bêtement. Voilà, je vous la montre sur plusieurs angles pour être... pour vous montrer. Voilà, donc l'idée maintenant c'est qu'on va la remplir également de blocs de quartz, elle aussi. Hop, alors du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un troisième étage du coup. Donc vous avez, comme vous pouvez l'imaginer, on va reprendre la même plateforme que ici, on va la mettre 4 blocs au-dessus et on va, lui enlever un morceau encore une fois. Donc l'idée c'est qu'on va partir de là, on va compter donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs, voilà, à partir de ce bloc là on compte 1, 2, 3, 4, 5 en hauteur. Et là ça va être notre bord de la dernière plateforme qui va y avoir au dessus. L'idée c'est qu'on va venir en diagonale jusqu'à l'autre côté de la plateforme, ok, donc jusque là, ok. Et à partir de là du coup on va suivre les traits des plateformes en dessous pour faire exactement la même chose hein, comme on a fait lors de l'étage juste en dessous. Ok, donc on fait comme ça et on suit toute la plateforme et on fait la même chose que ça, du coup, de ce côté-là, pour avoir le troisième étage. Voilà, du coup, à quoi ça ressemble, hein, pour vous donner une idée. Hop, voilà, vu de dessous, tout ça. Alors, une fois qu'on a cette plateforme-là, évidemment, encore une fois, on met du quartz à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne du coup. Alors aussi, petite précision, j'ai pensé à un truc qui pourrait être intéressant. Je vais poser à la fin de la vidéo une question et celui qui arrivera à répondre le plus vite possible dans les commentaires recevra, gagnera cette maison-là en propriété, voilà, lors de la prochaine vidéo. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout, à mettre des pouces bleus, tout ça, tout ça. Donc... aujourd'hui, on va rajouter aussi des choses à cette maison-là qui vont la rendre particulièrement pétante, particulièrement imposante, c'est plutôt ça le mot. On va utiliser du coup des blocs de quartz rayés, hop, et on va faire des colonnes avec. L'idée, c'est qu'on va venir au niveau de notre première plateforme à ce niveau-là. On va compter du coup 1, 2, 3 blocs sur la diagonale, on va mettre une plateforme, pas du tout, comment on appelle ça ? Une colonne, voilà. Ouais, elle est un petit peu loin. On va plutôt les mettre ici. Voilà. Hein, vous voyez. Hop. On va voir ce que ça donne. Je fais des tests hein, en même temps que je fais le tuto. Ouais, ça impose un petit peu plus. Donc voilà, on va rajouter des colonnes à ce niveau-là. On va rajouter des colonnes ici aussi, du coup. Paf, 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 paf. Ici. Pour soutenir, enfin faire semblant de soutenir voilà, les structures. Ici aussi, allez, on va pas s'en priver, hein, des colonnes partout, parce que voilà, on aime le style romain. Peut-être ici plutôt les colonnes. Voilà. Ça fait un peu des colonnes romaines, mais reprises d'un ton moderne sur un ton moderne, ce qui est pas trop mal, je trouve, en tout cas dans l'idée. Voilà, donc ces mêmes colonnes-là, on les fait de l'autre côté aussi. Voilà un peu ce que ça donne, et rien que ça, sans déconner, regardez. Regardez rien qu'avec les colonnes et rien d'autre. Là, déjà, à quel point la structure en elle-même en impose. Là, ça va commencer à être sérieusement imposant comme structure. C'était vraiment l'idée de base, mais... bon, bref, alors l'idée maintenant, on va poser les murs, ça va être intéressant. On va prendre notre... poteau ici, notre colonne, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs par derrière. On va utiliser les planches de bois de sapin, on va les mettre, voilà, peut-être ouais, comme ça jusqu'au sol. L'idée c'est qu'on va venir faire une ligne du coup ici jusqu'à l'autre bout de la maison, sauf qu'on va laisser un bout à ce niveau-là. Et c'est ça qui va être l'idée du coup, hein, c'est qu'on va dessiner le mur au-dessus de, enfin sur le plafond de notre structure. En laissant toujours, hop, comme ça, une ligne de béton
enfin de quartz comme ça sur toute la longueur ici. Vous voyez qu'on est toujours un bloc de marge par rapport au bord de notre plateforme au niveau du dessus, et donc ces blocs là on va les faire descendre jusqu'au sol pour pouvoir faire les murs de la maison, et c'est comme ça qu'on va faire les murs tout simplement. Donc voilà, si vous voulez je la fais avec vous pour cette partie là. Hop, et après ça sera le même principe pour les étages du dessus. Hop, voilà, donc on laisse toujours hop un bloc. Alors vous voyez par exemple ici les blocs de coin on les met pas hein. Hop, on laisse toujours un bloc de distance avec le bord de la plateforme. Et alors du coup on va compter ici aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Hop, ici comme ça. Est-ce qu'on est sur la même ligne que le en face? Non, du coup. Ok. On va de l'autre côté du mur. Voilà. Et on refait bah, cette partie-là de la même façon. Et ainsi de suite pour les autres étages. Mais ça, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne du coup avec les murs de mie. Alors, je vais vous dire où est-ce que j'ai arrêté du coup les murs au niveau du deuxième et troisième étage. Alors, par rapport aux piliers ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs de marge, ok. Ici sur le côté, on va juste en mettre 4, et à partir de là, du coup, on va faire des marges tous les 4 blocs pour arriver jusqu'à l'autre côté, ok. Au niveau, bon, pareil l'autre côté, hein, et au niveau du dessus, on va donc compter à côté du poteau, 1, 2, 3, 4, 5, et à partir du 6ème bloc ici, on pose le bloc du mur, une diagonale jusqu'à l'autre côté, si tant est que comme moi vous ne faites pas de trou dans le plafond, et ça devrait bien se passer. Allez la belle diagonale, voilà. Alors du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va placer l'élément probablement le plus iconique du bâtiment. Ça va être évidemment, comme tu l'as deviné, c'est quelque chose que j'utilise vraiment souvent en construction sur ce jeu, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Attention les yeux, vous allez évidemment deviner de quoi je parle. Une tour de verre centrale pour faire l'escalier. Donc du coup l'idée c'est que on va venir poser une tour de verre pile en plein milieu de notre bâtiment à ce niveau là. Voilà. Et donc du coup pour faire ça on va prendre le centre ici. Je vais prendre le centre comme repère et après je vais voilà, je vais me débrouiller. Alors du coup on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. On va mettre des blocs ici et là par exemple. On va en mettre 2, 2 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, comme ça on fait une barrière de. Enfin une barre de 5. Alors ici du coup ça marche pas. Alors en fait j'ai repensé, j'ai retesté le truc, on va utiliser un autre pattern pour la tour en verre. L'idée c'est que du coup là ça va être le centre du coup de un bloc décalé du mur, et on va laisser 1, 2, 3, 4 blocs d'espace avec le bord, ok, donc 4 blocs ici, 4 blocs ici et 4 blocs ici, et on va faire du coup coller au mur à partir de ce bloc là, 2 blocs ici comme ça, 2 comme ça, hop, 2, ici 3, 2, 2 et 2 comme ça. Ok, donc l'idée, alors comment ça se fait que j'ai mon machin qui est parti en svel, hop, l'idée maintenant c'est que ce pattern là de tour, on va le monter jusqu'à 20 blocs de hauteur. Hop, voilà ce que ça donne de loin du coup. Alors maintenant, on va aussi faire le reste de la tour de l'autre côté, donc sur le toit. Ok, donc de ce côté-là, on va rajouter 1, 2 blocs ici, pareil de l'autre côté. 1, 2 blocs ici comme ça, 1, 2 comme ça. Hop, l'autre côté pareil. Et 3 blocs à ce niveau-là, ok. Donc voilà, on monte les blocs là où il faut. Hop, 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 comme ça. Et évidemment, on bouche le dessus aussi. Hop, 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 hop. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est qu'on va venir faire les ouvertures, les portes et les fenêtres, évidemment, sur notre maison. Donc, bah, l'entrée principale au centre, voilà. Donc ça, rien de bien étonnant, on va dire. Pareil, donc l'entrée de la maison ici, ok, comme ça. Si tant est que je casse pas tout, hop. La même chose sur les étages du dessus aussi, du coup, hein, des ouvertures de 3 blocs de large en plein centre.
Ok, on va peut-être aussi changer le sol à l'intérieur de la maison. On va mettre du quartz, comme ça on en aura la même partout. Hein. Hop, alors du coup, une fois qu'on a ça, j'ai mis aussi du quartz au niveau de la base de notre tour en verre. Alors, on va mettre les... comment on appelle ça? Les fenêtres en place. On va faire des trous pour les fenêtres, il suffira de les combler avec des vitres. Alors l'idée c'était qu'on va faire la même chose des deux côtés, évidemment, ça va être symétrique. Alors, du coup, ici, en plein milieu, on va faire une grande ouverture. Donc on va laisser 3 blocs de chaque côté. Hop, ici, comme ça. Et on va enlever tout le mur qu'il y a au milieu. Et on mettra de la vitre à la place. Donc évidemment, on n'oublie pas de remettre le sol. Donc je ne mets pas la vitre moi-même, hein, ça sera, voilà, faudra la mettre. Moi, je vais vous donner l'emplacement des fenêtres, comme ça ira déjà plus vite. Alors, si on veut être cohérent ici, il y aura le pilier du coup qui va traverser la maison. Donc mettre une fenêtre ici, ça serait pas l'idéal. Mettre une fenêtre en dessous ici, ça casserait un peu la ligne avec le reste de la maison. Donc on va mettre une fenêtre ici comme ça. 2-3 blocs de large par exemple. Ok. Et donc la même chose au-dessus. Hein. On va mettre des fenêtres superposées les unes aux autres par rapport au niveau de chaque étage. Ok, donc on laisse que... Ouais, du coup, il y a la... Ah, il y a l'étage du dessus encore, du coup. 1, 2, 3. Et il y a le poteau ici qu'il faudrait traverser la maison pour être cohérent. Donc, du coup, hop, on va enlever ces blocs-là. Hop. 1, 2, 3, 4... Voilà, on enlève ces blocs là. Ici du coup, on en a sur les 3 étages du coup. Alors, on va faire une fenêtre pile centrée en plein milieu, comme ça on pourra voir au travers de la maison, ça sera pas mal. Alors, on l'a fait de combien? 3 blocs. Pourquoi pas, 3 blocs, ok. Donc sur toute la hauteur de la maison. Hop, voilà. Ici du coup, il nous manque une fenêtre à mettre, donc on va la mettre ici. 1, 2, 3 blocs. Voilà, et ce, tout jusqu'au sol, encore une fois. Ok. D'accord, donc pour l'arrière, ça devrait être plutôt bien. Ici, du coup, faudra pas oublier de mettre des blocs de quartz en dessous des vitres. Hein. Hop. Ok. Donc pour l'arrière, c'est plutôt bien. Du coup, au niveau de la façade, qui commence à en imposer sévère quand même, on va mettre des fenêtres ici du coup, donc une hop ici comme ça, là pareil en dessous. Ok, ici alors ouais, bon bah on n'a pas le choix, faut passer juste derrière le pilier pour être équilibré un minimum. Donc voilà, alors au niveau des façades ici. Ok, on va laisser pareil 1, 2, 3 blocs de marge de chaque côté. Et puis on va ouvrir complètement cette partie-là. Ok, donc paf ici. Et pareil ici, du coup, sur la façade, on laisse les 3 blocs. Et 1, 2, 3, on enlève toutes ces parties-là. Ok, donc du coup, maintenant, tous ces trous que je viens de faire, on va faire la même chose de l'autre côté et on va les remplir par de la vitre. Et voilà ce que ça donne. Alors, je te montre un petit peu de loin la maison. Elle commence à en imposer, hein, sans déconner, là. Là, il y a des choses à dire. Alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la tour de verre. On va mettre les escaliers à l'intérieur. J'ai commencé à les mettre d'un côté. Tu vois, donc j'ai même mis des escaliers partout. Et du coup... C'est un peu étroit, on va pas se mentir, j'ai testé, c'est un peu étroit. L'idée c'est qu'on va du coup pas mal changer toute la façade à ce niveau-là. Va falloir faire ça. Alors, on va mettre des escaliers ici et là. Ok, des blocs de quartz comme ça. Et ouais, alors, on va mettre des escaliers du coup ici, là. Ok, au-dessus ici et là. Hop, on va devoir enlever tout ça. Alors, attends, hop, ici comme ça, et comme ça, voilà, et du coup, comme ça, ça nous permet d'avoir des escaliers qui nous permettent d'aller au deuxième étage, sauf que du coup, maintenant, pour aller au troisième étage, ça va être plus compliqué,
ça va être plus compliqué. Bon, je vais trouver un truc, hein, vous inquiétez pas. On va mettre des escaliers à l'envers quand même, en dessous des escaliers qu'on vient de mettre, pour que ça soit plus joli quand même, faut pas déconner. Ici, les blocs de quartz, ça gêne un peu. Est-ce qu'on peut pas les enlever? Est-ce que c'est pas plus joli comme ça? À voir. Ok, donc voilà, encore une fois, les blocs de quartz, les escaliers de quartz à l'envers. Est-ce que ça rend bien? C'est... Ouais. c'est compliqué, mais ça va le faire. On va mettre des vitres ici peut-être, peut-être pas. Bon, voilà, en tout cas pour le premier étage, je vais trouver un moyen pour mettre un escalier pour le second. Ok, j'ai trouvé un moyen pour le troisième étage, du coup, hop, là on va au deuxième, et avec les trois blocs qui nous restaient en plein milieu, on va mettre un escalier ici, comme ça, ok, sur atteindre une plateforme de 3 par 3 à ce niveau-là. Donc l'idée c'est que à partir de ce bloc-là qui était celui qui nous restait en fait, on va mettre 1, 2, 3 étages d'escalier comme ça, ok, une plateforme de 3 par 3, et sur le côté, on va mettre un petit escalier comme ça. Donc moi, je vais le faire de ce côté-là, du coup. Hop. Alors, hop. Comme ça, va falloir le mettre. Ok. Des blocs de quartz par derrière. Ici, des escaliers comme ça. Et on obtient, du coup, un escalier pour aller à l'étage du dessus, sans oublier de mettre des escaliers à l'envers au niveau du dessous, pour que ça rende mieux dans l'idée. Alors, évidemment, on enlève les blocs à ce niveau-là pour laisser de la place. Et on ouvre ici pour avoir plus de place au niveau du dessous. Hop, des barrières ici peut-être. On laisse ici la place pour pas gêner. Mais voilà, en gros... Ah, punaise, et regarde la vue que t'as sans déconner! Oh là là! Alors du coup, maintenant, ici, l'idée, c'était de mettre un ascenseur, c'était de... Comment dire, mettre un escalier pour monter jusqu'à ce niveau-là pour pouvoir aller sur la terrasse que l'on mettra du coup au niveau du toit. Donc du coup, on va mettre un autre escalier qui va être le même, hein, du coup, puisque là, on peut... Hop, hop, hop. Alors du coup, on les avait mis à partir de là, l'escalier. Très bien, on va mettre un escalier donc comme ça. Alors non, à l'envers, s'il te plaît. Voilà. Ok, on va mettre donc des escaliers à partir de ici, hop, pareil, à l'envers, hop, à l'endroit, à l'envers, hop, re à l'endroit, on fait comme en dessous, hein, c'est-à-dire voilà, on remet une plateforme, 1, 2, 3, hop, 2, 3 par 3, on remet des blocs ici, ok, et là, des escaliers ici, et là, donc ici, et là, hop, plus des blocs comme ça. Voilà. Hop, et hop. Et donc, du coup, comme ça, on a notre escalier pour monter jusqu'au toit. Ce qui est pas mal. Alors, on n'oublie pas les escaliers à l'envers en dessous. Alors, sans s'exploser la tronche sur le sol, ça serait pas mal non plus. Alors, du coup... Ah oui, non, je suis tombé dans le creux, moi, carrément. Ah oui, ok. Hein. C'est dangereux ici. On va mettre des blocs ici comme ça. Hop hop. Et normalement, on a un escalier tout beau, tout propre. Ici, du coup, on va rajouter... Voilà. Un petit, petite barrière de précaution. Et on peut accéder au toit. Parfait. Donc voilà, ça c'était l'escalier. On va voir ce que ça donne. De loin, ça donne... Oui, voilà. Bon, ça donne une cage d'escalier, quoi. Ok, donc du coup maintenant on va vraiment aménager les toits et les façades. Alors, ce que j'ai fait du coup, pour vous expliquer, c'est que j'ai fait toute la moitié du bâtiment au niveau des aménagements de terrasses notamment, ainsi qu'au niveau de la cour intérieure. Et du coup, je vais faire l'autre moitié avec vous, comme ça au moins, voilà, j'ai... voilà. Tout simplement. Alors l'idée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bande d'herbe, alors évidemment là on la voit pas trop. Alors, une bande d'herbe au niveau du toit... Hop, sur le côté des terrasses ici et là, pour mettre des arbres dessus. Et donc du coup, bah, c'est ce que je vous propose de faire aussi de l'autre côté de la maison, hein, sur cette partie-là.
L'idée du coup c'est qu'on va venir laisser une ligne de bloc au niveau de l'extérieur et on va mettre à la place des quartz à l'intérieur du toit comme ça, hop, des morceaux de terre, hop, comme ça, alors paf, hop, ok, comme ça, sur trois blocs de largeur, voilà, hop, et hop, ok, l'idée maintenant, on va reboucher, je sais pas si ça se dit, mais reboucher tout ça avec de la terre, hop. Et notre idée du coup maintenant, c'est qu'on va utiliser les barrières de vitres, hop, comme ça, pour entourer notre jardin de toit finalement. Et on va venir prolonger les barrières ici sur le côté pour faire des barrières pour notre terrasse. Parce que ici du coup, hop, eh bien on a une terrasse avec une vue qui est pas mal du tout, hein, n'empêche. Ouais. L'idée du coup, on va utiliser un bois qui contraste très très fort avec le blanc utilisé pour le sol. Donc du coup, du bois noir, le plus noir possible, pour qu'on puisse le voir de loin et que ça donne un contraste le plus élevé possible avec le reste de la maison. Donc voilà, des escaliers et des dalles pour faire des bronzates. Hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne... ou qui c'est la première vidéo qui regarde la chaîne, ce que j'appelle moi les bronzates, c'est les transats. Re, alors il y a ma caméra qui a arrêté de filmer pendant 2-3 secondes, du coup, ben, j'avais pas remarqué. Et j'ai un peu avancé. Alors, l'idée du coup, au niveau de notre partie en herbe ici, on va mettre deux arbres à ce niveau-là, vous voyez, plus de la poudre d'os un peu partout au niveau de la surface pour pouvoir mettre des herbes et des fleurs. Voilà, l'idée étant de garder quand même quelques blocs de marge entre les arbres pour pouvoir avoir une vue intéressante depuis la terrasse. Ok, l'idée du coup étant de faire la même chose au niveau de chaque étage, et donc du coup bah voilà où j'en étais arrivé, c'est-à-dire au fait d'avoir creusé dans le sol de la terrasse en fait un trou pour pouvoir mettre des herbes. Et donc du coup voilà, j'en étais pris... Alors j'avais pris comme repère le pilier ici, on met deux blocs de décalage par à peu près, hein. Puis après on laisse juste une ligne de quartz sur le côté, voilà, on laisse trois blocs de marge en tout pour faire un trou en plein milieu, et ce trou là du coup on le remplit avec de l'herbe, voilà, ok, alors du coup on va faire la même chose, du coup on place un arbre, deux arbres ici, hop, donc poudre d'os, voilà. Hop, allez, on fait pousser plein de trucs à fumer, hop, voilà, de l'herbe, hein, pour la petite blagounette. Alors, l'idée, on va rajouter des barrières, du coup, sur le long de notre partie jardin suspendu, en quelque sorte. Hop, voilà, donc on met des barrières sur tout le long de la terrasse, et ici, du coup, ben, on relie au poteau, et puis au mur. Voilà. Alors, on rajoute comme on a mis au-dessus, c'est-à-dire des escaliers avec des dalles. Hein. Alors ici, on pourra même mettre voilà, une petite table d'extérieur et des bronzates ici sur le côté. Hop, hop, hop. Une table avec un bloc de quartz en plein milieu, vous voyez. Voilà. Que demande le peuple. Alors, l'idée, on fait encore une fois la même chose au niveau du dessous. C'est-à-dire qu'on fait un trou en fait dans le sol pour pouvoir mettre de la terre à la place. Hop, comme ça, voilà, on fait un trou, on met de la terre. Ok, on rajoute des arbres, hop, et hop, on les fait pousser, hop. Alors évidemment, des fois, ça fait de très grands arbres. Vaut mieux avoir des petits, en fait, parce que comme ça, ça met en valeur la maison. Ouh là, elle a une grosse, belle tronche de vue de ce point de vue. Ouïouïouïouïouï. Hop. Hop, hop, hop. N'oubliez pas, du coup, qu'à la fin de la vidéo, je donnerai une question à laquelle il faudra répondre pour pouvoir gagner cette maison-là. Et sans déconner, là, elle commence vraiment à être stylée. Là... Là, il n'y a pas photo. Ok. Alors, du coup, on rajoute des barrières en verre sur le côté, comme d'habitude. Là, hop, j'y vais rapido. J'explique même pas. On rajoute des escaliers.
Hop, 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 pour faire des bronzates, évidemment, les fameux bronzates. Hop. Donc des dalles hein, pour mettre sur les machins ici, comme ça. Très bien. En dessous, du coup, pour vraiment finir avec ça, on va tout simplement prolonger le plancher ici qui est en quartz. On va le prolonger, voilà, à partir de là, vous voyez. Hop. Voilà, jusque, allez, 3-4 blocs par devant les piliers. Hop, ici, comme ça. Et donc toute la zone que je viens de délimiter là, on va la mettre en quartz. Hop, évidemment, on rajoute les petits bronzates. Hop, paf, paf, paf. Et du coup, on en a plus ou moins fini avec les terrasses suspendues en tout cas. On va rajouter les petites fleurs devant les fenêtres parce que ça fait plus joli. Moi, j'ai utilisé du coup les pivoines avec mon pack de textures. Ça donne une jolie fleur comme ça, bien vif en tout cas au niveau de la couleur. Donc voilà, devant les fenêtres, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc pareil à l'arrière, hein, au niveau de chaque hop, fenêtre, on met des pivoines. Regardez ce que ça donne de ce côté-là, hein, du coup. Autour des pivoines, du coup, ce qu'on va mettre pour en revenir devant la maison, ce sont des fleurs bleues, des petites fleurs bleues, donc je sais pas comment ça s'appelle, des orchidées. Voilà, on va en mettre devant les pivoines parce que... Voilà. Du coup, on va faire la cour en plein milieu de la maison. Alors du coup, voilà, je vais faire un trou déjà pour pouvoir mettre les trucs à l'intérieur, la cour, hein. L'idée c'est d'avoir une route qui se divise en deux, qui se rejoint devant la tour qui fait entrée de la maison, séparée par une fontaine. Donc voilà, un truc bien classe à l'américaine un petit peu, ou à l'anglaise. Je ne sais pas, bref, en tout cas, enfin, un truc classe. Et du coup, voilà. Alors, à partir du milieu ici, au milieu de l'entrée, ok? On va venir faire, alors, un, deux blocs ici de trous. Ici, sur le côté, on va en faire un, deux, trois, quatre. Ici, deux. Ici, un. Je vérifie si je fais pas de conneries. Ok, donc c'est... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, à partir de là, du coup, on refait 1 ici, 2 là, 1, 2, 3, 4 ici, 1, 2, 3, 4, 5 ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2 ici, 4 ici, et le reste, on colle à la maison. Alors, du coup, on va même... aller plus loin que ça. Alors à partir de là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs jusqu'ici. Donc 2. Alors attends. Ouais, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va aller jusque là. Ok. Donc toute cette zone ici en herbe, du coup, il va falloir l'enlever. Alors une fois que on a enlevé tout ça, l'idée c'est qu'on va venir prendre les escaliers en quartz et on va venir les mettre. Hop, de ce sens-là, en fait, on va vraiment venir longer le bord du trou qu'on a fait avec des escaliers en quartz. Ok, comme ça. Hop, sur toute la longueur. Maintenant, on va délimiter la surface de la fontaine. Alors, évidemment, vous n'avez pas le côté qui est déjà fait. Donc, pour pouvoir délimiter vraiment la taille de la fontaine, l'idée c'est qu'on va venir utiliser les blocs de granit poli. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Et vous voyez, on arrive au bord du truc. L'idée, c'est qu'on va venir à ce niveau-là ici aussi. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Okay? Et donc, c'est avec là qu'on aura les délimitations de la fontaine. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Alors, on a donc une route qui va faire 6 blocs comme ça de large. Et donc, il va falloir mettre une fontaine là-dedans. Notre idée du coup, c'est qu'on va venir à partir du milieu de la route, hein, véritablement. Là, on est au bord de la parcelle, on a 6 blocs. Alors, peut-être plus, ce sera plus clair pour vous si je pars de notre entrée. À partir de l'entrée, du coup, on a 6 blocs, on arrive là, ok. Et en face, du coup, on a juste un bloc de quartz. Je vais enlever les escaliers pour l'instant. On va mettre 3 blocs de quartz comme ça sur le côté. Et hop, deux aussi comme ça. Ok. Donc, à partir de là, on va revenir ici. On va en mettre 2, ok, puis 1, puis 2,
Puis 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Puis re 2, 1, 2 et 5. Voilà, donc vous faites le cercle complet et vous aurez cette forme-là. Alors l'idée maintenant, c'est qu'on va tapisser tout le fond en fait de notre fontaine avec des blocs de quartz, du coup comme ça. Ok. Voilà. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'en plein milieu de notre fontaine, on va faire un pilier qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de hauteur. Ok. À partir du coup du comment on appelle ça, troisième bloc de hauteur, on va venir mettre voilà, deux blocs de chaque côté du pilier. Hop, un rond comme ça et un autre ici. Ok. Deux blocs au-dessus, on rajoute juste un bloc comme ça de chaque côté. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ici, sur le bord de notre fontaine, à ce niveau-là, on va juste rajouter des blocs comme ça de quartz au niveau des coins entre les blocs. Ok. Et par-dessus tout ça, on va rajouter des escaliers en quartz qui vont venir comme ça. Hop, 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 faire le bord de la fontaine. Parce que l'idée, c'est que l'eau qu'il va y avoir dans la fontaine va être à un bloc au-dessus du sol. Et donc, bah, il faut quelque chose pour retenir l'eau, quoi, parce que voilà. Sinon, il se barre. Hop, ici comme ça. Voilà, donc là, ça va être vraiment notre bassin pour faire notre fontaine. L'idée, du coup, c'est que l'eau va venir. Alors, si j'ai de l'eau sur moi, hop, à ce niveau-là, ok. Donc, on remplit tout le bassin à partir de ce niveau-là. Ok. Une fois qu'on a ça, du coup, on va pouvoir utiliser le granit poli et pouvoir compléter la route, hein, parce que vous voyez que maintenant, du coup, on a une belle route qui est complètement ouverte. Et donc, bah voilà, on va rajouter du granit poli parce qu'il est un petit peu rougeâtre, en fait, le granit poli. Et donc, du coup, bah, ça fait une jolie couleur, tout simplement, à marier avec le blanc, qui est la couleur dominante de la maison, en fait. Les couleurs dominantes de la maison, en fait, sont. Hop, bah, le blanc comme vous le voyez, le bois et le bleu. Et donc au niveau du sol, le fait de rajouter du rouge, ça se marie plutôt bien avec le reste. Donc ben voilà, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Hop. Alors évidemment, il manque la cerise qui fait déborder le gâteau, comme on dit. Voilà, donc un seau d'eau pour le mettre sur le haut de notre fontaine et regardez ce que ça fait. Voilà, quelque chose de très simple, honnêtement. C'est d'une fontaine extrêmement simple, extrêmement sobre. Mais regarde-moi ce visuel. Bam! Tu arrives chez quelqu'un, imagine, tu arrives chez quelqu'un et là il te montre, bam! Cette maison-là. Avec la fontaine qui est pile poil alignée avec le centre de la maison, avec la colonne de verre là-bas, avec tout qui fait une sorte de grosse pyramide avec des colonnes romaines et tout. Honnêtement, est-ce que là, ça t'impose pas un minimum de classe? Est-ce que là, c'est pas une maison qui impose un minimum? Là, t'as le majordome limite à la porte. Tu vois, on pourrait mettre un perroquet, j'allais dire, mais c'est pas du tout l'idée que je voulais. Un villageois, tout simplement. Un villageois qui fait majordome. Tu vois, tu le bloques dans le bloc ici. Et honnêtement, ça le fait complètement, quoi. Voilà, c'est probablement la maison la plus classe que j'ai fait de la chaîne. Et du coup, comme ce tutoriel est fini, je vais pouvoir vous poser la question, cette maison. En fait, la question fatidique qui va faire que vous allez gagner ou pas le titre de propriété de cette maison-là. En effet, cette maison, comme je disais, est une nouvelle version. En fait, c'est une nouvelle version d'une maison qui existe déjà. En tutoriel que j'ai fait sur la chaîne. C'est un très vieux tutoriel, l'un des tout premiers que j'ai fait sur ma chaîne. Enfin, peut-être pas quand même, mais quand même, c'était il y a vraiment longtemps. J'avais fait une maison qui ressemble un petit peu à celle-là, d'accord? Et donc, celle-là, c'est la version actualisée, c'est la version plus moderne, on va dire. Enfin, elle était déjà moderne à la base, la maison, mais c'est la version améliorée. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est le tout premier à mettre le lien de la maison d'origine dans les commentaires de cette vidéo gagnera le titre de propriété de cette maison. Et honnêtement, pour une maison qui a cette classe-là,
Eh bien, je vous invite à aller vite choper le lien, comme ça je pourrai vraiment vérifier que vous savez de quelle maison je parle. Honnêtement, c'est une maison. Enfin voilà, je vais pas vous dire plus d'éléments que ça. C'est une maison qui ressemble à celle-là. Voilà, rien que ça, normalement, vous devriez trouver sans trop de difficultés. Voilà, et bien sur ce. Voilà, ça c'est pas symétrique, mais de côté de machin, tiens. Alors attends, comment j'ai fait mon bazar? C'est pas symétrique. C'est pas symétrique. Hop, 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 hop. Est-ce que là c'est symétrique? Non, bon bah, faites comme je vous ai dit et faites le même chose de l'autre côté. Pour vous, ça sera symétrique. Moi j'ai juste pas réussi à recopier ce que j'avais déjà fait. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine!